chapitre 4, verset 14 à 16. Read Hebrews 4, verse 14 to 16. Hébreux chapitre 4, du verset 14 au verset 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Hebrews chapter 4, reading from verse 14 to verse 16. Therefore, since we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold firm to the faith we possess. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin. Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Amen. Amen. Nous allons prier pour nos besoins. We are going to pray for our needs. Si le Seigneur a déjà exaucé tes 10 sujets, tu écris 10 autres sujets. If the Lord has already granted your 10 topics, prayer topics, you write new 10 prayer topics. S'il a exaucé 5, tu ajoutes 5 autres. If he has granted 5, you add 5 others. Cette parole nous encourage à nous approcher du trône de la grâce avec assurance. This word encourages us to get close to the throne of grace with confidence. C'est-à-dire, nous devons poser nos besoins à Dieu avec assurance. It means that we must show, we must tell our needs to God with confidence. Et quand nous allons prier, and when we will pray, approche-toi de lui par la foi. Go near him through faith. Ne doute point. Doubt no. Ne pense pas que tu es indigne. Don't think that you are not worthy. Tu t'approches de lui. You get close to him. Par les mérites de Christ. By the merit of Christ. Relis le verset 14. Read again verse 14. Ainsi, thus, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, since we have a great high priest, c'est-à-dire it means, le sacrificateur qui a ouvert les portes du ciel pour nous, the priest who has opened the doors of heaven for us, le sacrificateur qui a donné son sang, qui n'a pas donné le sang des animaux, mais son propre sang. The priest who has given his blood, not the blood of animals, but his own blood. Le sacrificateur qui est même en train de prier pour nous pendant que nous sommes là, devant the lui. The priest who is right now praying for us while we are here. Tu dois croire. You must believe. Qu'il est là. That he is there. Il veut que tu parles. And he wants you to speak. Il veut que tu parles. He wants you to speak. Il veut que tu demandes. He wants you to ask. Il veut que tu t'approches du Père. He wants you to get close to the Father. Que tu t'approches du trône de la grâce. He wants you to get close to the throne of grace. Que tu implores la miséricorde. Plead the mercy. Et si tu es tombé, and if you have fallen, dans un piège, in a trick, dans un péché, in a sin, demande-lui pardon.
ask him to forgive pendant you. Que tu es debout. While you are standing. Pendant que tu es debout. While you are standing. Lis pour nous. Read for us. Et Marc chapitre 11. Mark 11. Verset 22. Verse 22. À 24. To 24. Marc chapitre 11 du verset 22 au verset 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Continue, continue. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Lis le verset 25. Read verse 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Si tu es debout, comme tu es debout. If you are standing as you are right now. S'il y a quelque chose dans ton cœur. If there is something in your heart. Si quelqu'un t'a fait du mal. If someone has hurt you, hurted you. Et que ton cœur était en colère. And your heart was upset, angry. Pardonne tout de suite, tout de suite. Forgive it right now. Ne continue pas la prière. Règle d'abord ça. Do not continue the prayer. Si tu refuses de régler, va, rentre à la maison. Sort it now. If you refuse to sort it out now, go home. Relis le verset 25. Read again verse 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, lorsque vous êtes debout when faisant standing, votre prière, doing your prayer, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, you have something against someone, pardonnez. Pardonne. Forgive. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Et Dieu va te pardonner aussi. And God will forgive you too. Et moi j'ajoute, si tu refuses de pardonner, and I add, if you refuse to forgive, rentre à la maison. Go home. La prière est finie. Your prayer is finished. Lis le verset 25. Read verse 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant... Et lorsque vous êtes debout, and while you are standing, faisant votre prière, praying, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, if you have something against someone, pardonnez, pardonnez, forgive, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. So that your heavenly Father forgives you as well. Et tu seras exaucé. And you will be granted. Où tu pardonnes et on continue. Or, you forgive and we continue. Où tu refuses de pardonner, tu rentres à la maison. Either you refuse to forgive and you go back home. Ça veut dire que tous tes péchés depuis que tu es né sont aussi devant toi. Dieu n'a pas pardonné. Dieu aussi ne veut pas te pardonner. It means that all your sins since you are born are before you and God is not going to forgive you too. Mais si tu as pardonné, but if you are forgiven, tu es béni. You are blessed. Tu es béni. You are blessed. Tu peux parler à ton père. You can speak to your father. Tu peux l'appeler. You can call him. Et tu lui parles. And you speak to him. Tu lui poses ton problème. You share your issue with him. Donc tu as deux minutes pour pardonner. So you have 2 minutes to forgive. Et on commence. And we'll start. Deux minutes pour you dire have oui, two Seigneur. Minutes to say yes, Lord. Je pardonne. I forgive. Ne dis pas que il faut qu'il vienne me demander pardon. Non. Don't say he must come and ask me to forgive him. Dans la loi de Dieu. In God's law. Quand quelqu'un t'offense. If when someone offends you. Tu pardonnes seulement. You just forgive. Même s'il ne vient pas demander pardon, even tu pardonnes seulement. Even if he does not come and ask you to forgive him, you just forgive. Jésus a prié disant. Jesus prayed, saying, oh Père, pardonne-leur. Oh Father, forgive them. Ils ne savent pas ce qu'ils font. They don't know what they are doing. Il n'a pas attendu que les gens viennent demander pardon. He has not waited people to come and ask him to forgive them before.
Maintenant, tu commences à dire merci, mon père. Now you start saying thank you. Merci, mon père. Thank you, my dad. Maintenant, parle-lui de toi-même. Now, tell him things about you. Dis-lui, Seigneur, voici mes problèmes. Say, Lord, these are my issues. Parle. Speak. Nous sommes maintenant dans un moment crucial. We are in a very important time. Dieu peut t'exaucer maintenant. God can grant you right now. Et tu es béni. And you are blessed. Et tu es béni. You are blessed. Oh Père. Say, oh Father. Voici mes besoins. These are my needs. Viens à mon secours. Come at my rescue. Et parle-lui que ce soit des besoins spirituels. And tell him about spiritual needs. Financiers. Financial needs. Besoins matériels. Material needs. Besoins émotionnels. Emotional needs. Tous les domaines. Tous les domaines. All the field of your life. Prions. Let us pray. Ne priez pas dans le cœur, parlez la prière. Do not pray in your heart, speak your prayers. Il dit de approche avec assurance, avec assurance, to him with confidence, du trône de la grâce, to the de la grâce, of grace, du trône de la grâce, to the throne of grace, dans la plénitude de la foi, in the fullness of your faith, dans la plénitude de la foi, in the fullness of faith, c'est-à-dire sans douter. It means without sans doubt, douter, without doubt, sans douter, without doubt, sans douter, without doubt, sans douter, without doubt. Dieu oh Père, so, Father, viens à mon secours. Come at my rescue. Viens à mon secours. Come and rescue me. Oh Père. Oh Father. Par ta miséricorde. By your mercy. Par tes compassions. By your. Par ta miséricorde. By your par mercy. Par tes compassions. By your sympathy. Par ta miséricorde. By your mercy. Par tes compassions. By your sympathy. Par ton amour. Par ton amour. By your love. Par ta grâce. By your grace. Continue à prier. Keep on praying. Prions en langue. Let us pray in tongues. Prions en langue, prions en langue. Let us pray in tongues. Oh baka, uraka baka, joro baka, ye baka, joro baka, yere baka, joro baka, yere baka, ura baka, yere baka, uraka baka, joro baka, uraka. Dieu Père. Dieu Father. Exauce-nous. Answer. Oh Père. Oh Father. Exauce-nous. Answer. Oh Père. Oh Father. Exauce-nous. Answer. Continue à prier en langue. Keep on praying in tongues. Dieu oh Père. Say, oh Father. Ta parole déclare. Your word declares. Que tout est possible à Dieu. That all tout is possible, possible to à God. Dieu. All is possible. Et ta parole God. Déclare. Your word declares. Ta parole déclare. Your word declares. Que tout est possible à celui qui croit. All is possible to tout est possible à celui qui croit. All is possible oh, Père, to the one who believes. Que ta parole s'accomplisse. Oh Father, que ta parole may your word come to life. Continue à prier, pleurant sans miséricorde. Keep on praying. Tu peux t'asseoir. You can sit down. Tu restes calme. And you stay calm. Si le Seigneur te fait une promesse, if the Lord tu crois. Makes a promise to you, you believe. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. C'est ça qu'on appelle la foi. This is what is called faith. Nous ne sommes pas en stage. We are not on training. Nous vivons déjà la foi. We are already living faith. Nous ne sommes pas des stagiaires. We are not trainees. Tu es en train de crier à Dieu. You are crying out to God. Tu peux lui faire un vœu. You can make a vow. Libre. A free vow. Les vœux
font partie de l'intercession. The vows are part of the intercession. Les vœux élèvent le niveau de la bataille. The vows lifted up the level of the battle. S'il te montre un péché, tu l'enlèves tout de suite. If he shows you a sin, you remove it now. Dis merci, Seigneur. Say thank you, Lord. As-tu seul ça dans ton cœur? Là, il n'y a pas de témoignage. And you c'est quand tu es exaucé qu'il y a le témoignage. You seal it in your heart, where there is no testimony. When you are granted, then you have testimonies. Mais c'est une prière qui attire la grâce et la faveur de Dieu. But it's a prayer which attracts God's grace and favor. Peut-être tu as déposé les dossiers quelque part pour un emploi. Maybe you have sent some application somewhere for a work. Et que c'est perdu. And it was lost. Le dossier sera retrouvé. And it is lost. The file will be found. Le dossier sera retrouvé. The file, the application will be found. Si tu es dans une société ou une entreprise, if you are in a company, on t'a lésé, on a bouffé tes droits. Where people have deprived you from your rights. On va te rétablir dans tes droits. You will be given it back. Dans les primes, les missions. In the allowances and the missions. On t'a jamais envoyé en mission, on va t'envoyer en mission. They have never sent you on mission. They will send you on mission. La justice sera rétablie. The justice will be settled. Là où on t'avait trompé. Where you were deceived. Certains d'entre vous, on a calomnié contre eux. Some of you, people lied on them. Les gens vont découvrir la vérité. People will discover the truth. Et ceux qui t'avaient méprisé vont te demander pardon. And those who despised you will ask you to forgive them. Ils viendront te demander pardon. They will come and ask you to forgive them. Quand ils viendront, when they will come, et parce qu'ils vont venir, because they are going to come, ne te fâche pas. Do not be angry. Ne te fâche pas. Do not be angry. Élisée a dit au roi d'Israël qu'on ne tue pas les prisonniers de guerre. Told the king of Israel, they don't kill the prisoners of war. Si tu vas en guerre, when you go on a war, que tu as des esclaves, and you des have prisonniers, some slaves, some prisoners, ne les tue pas. Don't kill them. Donne-leur à manger. Give them food. Ils viendront vers toi comme des prisonniers de they guerre. They will come back to you as prisoners of war. Donne-leur à manger. Give them food. Donne-leur à manger. Give them food. Il y a des gens que Dieu va châtier à cause de toi. There are people God will punish because of you. Il y a des gens que le Seigneur va châtier à cause de toi. There are people the Lord will punish because of you. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on your head. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous brisons les complots des hommes contre nous. We break the plots of men against us. Dis Seigneur. Say Lord. J'accepte tout ce qui vient de toi. I accept everything that comes from you. Même la souffrance. Even suffering. Je l'accepte. I accept it. Parce que tu n'es pas un Dieu méchant. Because
Because you are not a wicked God. Tous tes projets pour moi sont les projets de paix et de bonheur. All your projects for me are projects of peace and happiness. Même si c'est à travers la souffrance. Even if it's through suffering. Mais ce que nous te demandons maintenant. But what we are asking you right now. Oh, notre Père. Oh, our Father. Ce que nous te supplions de nous accorder. What we are pleading you to grant us. C'est que rien ne nous arrive. Is that nothing happened to us. Qui soit l'accomplissement de la volonté du diable. Which is the fulfillment of the devil's will. Ou la volonté des êtres humains comme nous. Or human like us will. Nous refusons tout ce qui est tout ce qui découle de la volonté du diable. We refuse all that comes from the devil's will. Nous sommes prêts à supporter tout ce qui vient de toi. We are ready to bear all that came from you. Une chose. But we are asking you one thing. Que le diable ne dise jamais. Let not the devil say. Je les ai vus. Ever that I caught them. Qu'aucun être humain vivant ne dise. Let no living human being. Je les ai vus. I caught them. Aucun. None. Continue à prier. Keep on praying. Dis Père, nous acceptons. Father, we accept. Mais. But. Que l'ennemi ne frappe pas la main sur la poitrine. Let not the enemy beat his chest. His shoulder. Il faut insister. Insist. C'est un sujet très important. It's a very important topic. Que rien ne t'arrive. Let nothing happen to you. Qui soit le chef-d'œuvre du diable. Which is the work of the devil. Que rien ne t'arrive. Let nothing happen qui soit l'œuvre de l'homme. Which is the work of human beings. Mais si c'est Dieu. If it is God. Qui nous place. Who is putting sur us. Sur des voies étroites. On the, nous l'acceptons, nous l'acceptons. On the teeny ways. Nous l'acceptons. We accept it. Mais jamais l'ennemi, jamais l'ennemi. But never the enemy. Jamais l'ennemi, jamais l'ennemi. Never the enemy. Jamais l'ennemi, jamais l'ennemi. Never the enemy. Prions alors. Let us pray in tongues. Prions alors. Let us pray in tongues. Rekaraba kasekaraba rekaseka bakaseka uraba kaseka reba kaseka uraba kaseka reba kaseka uraba kaseka reba kaseka uraba kaseka reba kaseka uraba kaseke reke seke reke seke reke seke reke seke reke seke reke seke reke Sekereke. Uriabaka sakara mazinam. Gardez-le calme. Keep calm. Lift up your right. Put up your right hand. Seigneur. Say Lord. Nous levons nos mains. We put up our hands. Contre tout projet du diable. Against any project of the devil. Tout projet de Satan. Any project of Satan. Conçu avec l'accord des êtres humains vivants. Conceived with the agreement of living human beings. Nous bannissons tous ces projets. We ban all those projects. Nous prophétisons contre eux. We prophesize against them. Ils ne s'accompliront jamais. They will never happen. Et toute arme forgée contre nous sera brisée. Any weapon against us made against us will be broken. Brisée. Any weapon against us will be broken.
Tout rassemblement humain contre nous sera dispersé. Any human gathering against us will be scattered. Tenons-nous debout, tu continues à prophétiser. Let us stand up and continue proclaiming. Prophétise la ruine. Prophesy the ruin. Prophétise la ruine des projets du diable. Prophesy the ruin of the devil projects. Prophétise. Prophesy. Qu'ils sont vains, ils sont vains, vains. Vanité de vanité. Vanity of vanities. Vanité de vanité. Vanity of vanities. Guru bakashere 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 bakashere. Guru bakashere bakashere bakashere. Lève ta main droite. Put up your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous consacrons nos familles au Seigneur. We consecrate our families. Toutes nos familles. All our families. La grande famille élargie. The big family. Qui inclut tout le monde. Including everybody. Tous les âges. All the ages. Toutes les lignées. All the lines. Nous les donnons à Jésus. We give them to Jesus. Seigneur, prends-nous. Lord, take us. Prends nos familles. Take our families. Prends-les pour régner. Take them and rule over them. Pour régner. And rule over them. Pour diriger. And lead them. Pour conduire. And lead them. Car tu es le bon berger. Because you have a good shepherd. Nous te les confions avec assurance. We entrust you. With confidence. Nous te les confions avec confiance. We entrust you with confidence. Lève ta main. Put up your hand. Dis Père. Say that, Father. Nous chassons les vaudous. We cast out the vultures. Nous chassons les vaudous. We cast out the. Nous chassons les masques. We cast out the nous masks. Nous chassons les combien. We cast out the combien. On chasse tous les dieux. We cast out all the gods. Tu prononces leur nom tel que tu les connais. If tu les chasses. If you know the name, you just call the names and you cast them out. Tu les chasses de ta vie. Cast them out of your life. Et tu les chasses de la famille. And cast them out of the tu les chasses family. De ta vie. You cast them out tu of les your chasses life. De la famille. And you cast them out tu of les chasses family. De ta vie. You cast them out of your tu life. Les chasses de la famille. And you cast them tu out les of chasses the de ta vie. You cast them out of tu les chasses de la famille. And you cast them out of tu family. Les chasses de ta vie. You cast them out of tu your les life. Chasses de la famille. And you cast them out of your tu family. Les chasses de ta vie. You cast them out of your tu life. Tu les chasses de la famille. And you cast them out of your tu les chasses de ta vie. You cast them out of your tu life. Tu les chasses de la famille. And you cast them out of your family. Tu les chasses de ta vie. You cast them out of your life. Tu les chasses de la famille. And out of your family. Tu les chasses de ta vie. You cast them out of your life. Tu les chasses de la famille. And you cast them out tu les chasses de ta vie. You cast them out of your life. Tu les chasses de la famille. You cast them out of your tu les chasses de ta vie. You cast them out of tu les chasses de la famille. And you cast them out of your tu les chasses de ta vie. You cast them out of your life. Tu les chasses de la famille. And you cast them out of your family. Orobaka chorobaka 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 chorobaka. Oloko sekere bakoko. Yete kere bote kere bokre. Yete reke sekere beke. Tu les chasses de ta vie. Tu les chasses de la famille. And you cast them out of the family. Continue. Tu les chasses de ta vie. You keep them. Et tu les chasses de ta famille. You cast them out of your life and you cast them out of your family. Lève ta main droite. Put up your right hand. Dis au nom de Jésus, nous déchirons les alliances. Say in the name of Jesus Christ, nous déchirons les alliances. We tear off the covenant. Et nous détruisons tout objet. And we destroy anything. Qui sert d'appui. Which is a support. Qui sert de support de ces alliances. Which is the support of this covenant. Si c'est un arbre, nous le coupons, nous le brûlons. If it is a tree, we cut him and burn it. Si c'est un cours d'eau, nous l'asséchons. If it's a water, we dry it. Tout ce qui sert de force, d'appui, de grand all vin, that is serving as a strength or a support. Nous le détruisons. We destroy it. Si c'est un oignon, on le déracine. Si c'est un arbuste, nous le déracinons. If it's a small tree, we uproot it. Même si c'est les termitiers, nous les cassons. If it's the house of termites, continue we break prier. It. Keep on praying. Dieu au nom de Jésus.
Nous brisons les alliances avec les esprits des eaux. We break the covenant with the spirit of waters. Nous brisons les alliances avec les esprits de mort. We break the covenant with the spirit of death. Nous brisons les alliances avec les maris de nuit. We break the covenant with the spirit of husbands. Nous brisons les alliances avec les esprits de montagne. We break the covenant with the spirit of mountains. Nous brisons les alliances. We break the covenant avec les esprits de forêt. With the spirit of forest. Nous brisons les alliances. We break the covenant avec la mort et le séjour des morts. With death and Hades. Continue à prier. Keep on praying. Bakaseka, Kondoro Bakaseka, Kondoro Bakaseka, Kondoro Bakaseka. Dieu au nom de Jésus. Send the name of Jesus. Nous brisons les alliances. We break the covenant avec la sirène des eaux. Nous brisons les alliances. We see it on our waters. Avec les esprits du désert. We nous brisons les alliances the covenant with the avec, les of the abîmes, avec les esprits des abîmes. We pray the covenant with the spirit continue of abyss. Keep on praying. Lève ta main. Put up your hand. Lève ta main. Put up your hand. Dis nous venons au secours de toute personne. So we come and rescue anybody. Dans la vie de qui encore les résistances de mari de nuit. In whose life there are still resistances. Toute personne of spirit husband, anybody. Qui rencontre encore dans la bataille. Who is still in the battle. Des résistances. And facing resistances. Des maris de nuit. Of spirit husbands. Toute résistance de mari de nuit. Any resistance of spirit husbands. Comment encore. The common accord. Nous jugeons ces esprits. We judge them. Nous les frappons. We strike them. Nous commandons qu'ils partent. And we command that they leave. Continue à prier. Keep on praying. Dis va-t'en, va-t'en, va-t'en. Go, 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 go. Partez, partez. Nous brisons, nous brisons la résistance, nous cassons la résistance, nous brisons la résistance, nous cassons la résistance, nous jugeons la résistance, nous cassons la résistance. Partez, 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 Marie de nuit, qui résiste, est jugé, cassé, frappé, jugé, cassé, frappé, va-t'en, va-t'en. Vata! Go! Go back, sir. Go back, sir. Go back, sir. Go back. Vata! Go! Go back, sir. 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 Ouro cacicaba, 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 ouro cacicaba. Dieu au nom de Jésus. Send the name of Jesus. Même si tu ne t'étais jamais manifesté. Even if you have never shown yourself. Va-t'en. Go away. Continue à prier. Keep on praying. Tu peux t'asseoir. You can sit down. Tu peux t'asseoir. You can sit down. Nous brisons toute résistance. We break any kind of resistance. Cassons les résistances. We break the resistances.
Brisons toute résistance. Break any resistance. Gardez le calme. Keep calm. Même si c'est une alliance déjà rouillée. Even if it's a covenant already signed. L'esclavage, que ça dure depuis. And it's slavery which is lasting since ever. Nous l'enlevons au nom de Jésus-Christ. We remove it in the name of Jesus Christ. Et nous déclarons la victime libre. And we declare the victim free. Libre. Free. Libre, libre, libre. Free, 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 free. Insistons. Let us see. Même si c'est une bague rouillée qui ne even veut pas sortir. Even if it's an old ring which cannot get out. Nous l'arrachons de ses doigts. We snatch it out of his hands. Nous l'arrachons de ses doigts. We remove it from his finger. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. S'il y a une femme, if there is a woman, qui avait plusieurs maris de nuit, who had many spirit husbands, un est parti ou deux et on croyait que c'est fini. One or two left and we believed it was finished. Et les autres sont cachés. And the others are hidden. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Frappons les autres. We strike the others. Frappons les autres. We strike the others. Partez au nom de Jésus-Christ. Live in the name of Jesus Christ. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. S'il y a un héritage qui était réservé pour quelqu'un. If there is an heritage which was booked for someone. Et la personne a refusé. And the person refused. Mais les démons sont toujours dans sa vie. But the demon are still in his life. Parce qu'on se dit que il prendra un jour. Because they tell themselves that he will one day will come back to it. Je n'accepte pas. Say I do not accept. Je refuse cet héritage. I refuse this heritage. Je refuse. Say I refuse. Je refuse cet héritage. I refuse this heritage. J'enlève mon nom. I remove my name. Continue à prier. Keep on praying. Dis je refuse cet héritage. I refuse this heritage. Je chasse les esprits. I drive out the spirits. Qui m'étaient réservés. Which were reserved je to me. Je chasse tous les esprits qui devaient travailler pour moi. I cast out all the spirits who were to work for me. Je chasse toutes les femmes démoniaques qui devaient travailler pour moi. I cast out all the demonic wives who were to je work with me. Je brise les liens de mariage. I break the ties of marriage. Attaché à cet héritage. Linked to this heritage. Je dis non. I said no. Je ne veux pas. I don't want. Dis je refuse. I refuse. Et je chasse tous les esprits. And I cast out all the spirits. Qui devait me servir. Who were to serve me. Ou que je devais servir. Or I should serve. Je brise le joug. I break the yoke. De l'esclavage. Of slavery. Rattaché à cet héritage. Linked to this heritage. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je déclare. I declare que je suis un enfant de Dieu. That I am a child of God.
J'efface mon nom. I cleanse my name. De la liste de la famille. From the list of the family. La famille est au ciel. My family is in heaven. Mon héritage vient d'en haut. And my heritage comes from heaven. Il est écrit toute grâce excellente. He said that any excellence. Et tout don parfait. And any perfect gift. Descend d'en haut. Came down. Du Père de lumière. From the Father of light. Ce qui n'y a point de changement, ni ombre de variation. In whom there is no change. Oui, dis, je lave tout, je lave. Yes, say I wash everything. J'enlève mon nom, j'enlève mon nom, j'enlève. I wash my name. J'enlève mon nom, j'enlève mon nom. I remove my name. Vous me chercherez, vous ne me verrez plus. You'll seek me and will not find me anymore. J'enlève. I remove my name. Je fasse. I clean my name. Je fasse. I clean my name. Et je mets fin. And I put an hand. À toutes les oppressions. To all the oppressions. Qui perduraient à cause de ces liens. We were lasting because of these ties. Je mets fin. I put an hand. À toutes les visites de mari de nuit. To all the visitations of spirit as men. Qui s'appuyaient sur ces liens. Which were laying on those ties. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je brise tous les liens. I broke all the ties. De mariage spirituel. Of spiritual marriages. Établis sur moi. Settled on me. Par le lavage. By the washing. Au bord du fleuve, au bord du marigot, de la lagune. On the lake side or the laguna side. Tous les liens, toute personne qui a été suivie par les esprits. Anybody who has been followed by spirits. Parce qu'on l'a lavé au bord de l'eau. Because he was washed at the water side. Le jour ou la nuit. Day or night. Va-t'en! Go! Prions en langue. Let us pray in tongues. Gardez le calme. Keep calm. Dis au nom de Jésus-Christ. Say in the name of Jesus Christ. S'il y a quelqu'un. If there is someone. Dont les biens sont encore avec un mort dans sa tombe ou dans le cercueil. Womb ties are still with the dead in a tomb or a coffin. Cassons ce cercueil. We break this coffin. Nous cassons cette tombe. We break this tomb. Lève ta main droite. Put up your right hand and say. Esprit impur qui résiste. Say unsan spirit, which is resisting. Nous cassons ce cercueil. We break this coffin. Nous te frappons. We strike nous cassons la tombe. We break your tomb. Nous récupérons tous les biens. And we recover all the goods. Tous les biens. All the good. Nous les mettons à la disposition des concernés. And you put it at the disposal. Nous les donnons aux concernés. Par la puissance du Saint-Esprit. And give it back par la puissance du Saint-Esprit. Person, by the par la puissance du Saint-Esprit. By the power of the Holy Spirit. Si c'est dans une cabane. So if it is nous in the cassons house, cette cabane. We break this heart. Nous cassons, nous brisons, we nous break, détruisons. We break and burst. Si c'est dans une tour. If it is in nous tower, renversons la tour. We overthrow the tower. Nous renversons la tour. We overthrow the tower. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Et nous chassons tous les esprits. And we cast out all the spirits. Qui voulaient résister. Which wanted to resist.
Ces captifs, sortez. The captive, get out. Vous êtes libre en Jésus. You are free in Jesus. Les captifs, sortez. Captive, get out. Vous êtes libre. You are free. 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 Pose les mains sur ta tête. Lay your hand on your head. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous jugeons toute maladie spirituelle. We condemn any spiritual disease. Aux origines mystiques. Which has mystical origins. Maladie. Any disease. Tient ses racines dans l'occultisme. Which roots are in occultism. Maladie. Disease. Bannissons. We ban you. Disparaît. Disappear. Si c'est un morceau de viande, if it's a piece of meat, ou la tête de poulet ou bien de quelque animal, de quelque autre animal, of a chicken or any kind of animal, extirpons de ce corps. We remove you from this body. Nous t'enlevons de ce corps. We remove you from this body. Continue à prier que si quelqu'un est envoûté. Par un mal. That if someone has been bewitched by a pain, comme cette sœur avait la tête du poulet, s'il y a quelque chose dans le corps d'un frère, as this sister had the head of a chicken, if there is something in the body of a brother, quelque chose qui apporte la souffrance, something which brings suffering, cela soit détruit maintenant même. Let it be destroyed right now. Toute chose, anything, qui apporte la souffrance. Bringing la souffrance physique. Physical suffering. Que ces choses soient déracinées. We uproot this thing. Déracinées. We uproot détruit. It. Déracinées. Déracinées. Uproot détruit. Destroy. Et que la maladie disparaisse. And let the disease disappear. Continue à prier de cette manière. Keep on praying this way. Ceux qui ont mal aux genoux. Those who have pain in their knees. Priez que tout ce qu'on a mis dans les genoux disparaisse. Pray that all that have been put in the knees disappear. Si tu as mal au dos, if you have a pain in your que back, tout ce qu'on a posé sur ton dos disparaisse. Let all that have been put on your back be si c'est à la tête, disappear. If it is in que your tout head, ce qu'on a mis dans la tête disparaisse. All that has been put in your head disappear. Disparaisse. Disappear. Si c'est dans les yeux, if it is in your eyes, que ça disparaisse. Let it disappear. Si c'est dans les oreilles. If here, que ça disparaisse. Let it disappear. Si c'est dans les oreilles. If it is in the que ears, ça disparaisse. It disappear. Si c'est dans la colonne vertébrale. It is in the backbone. Que ça disparaisse. It disappear. Que ça disparaisse. It disappear. Que ça disparaisse. It disappear. Pose les mains sur ta tête. Lay your hand on your head. Nous bannissons tout envoûtement. We ban any bewitchment. In the name of Jesus. Nous jugeons toute force d'obstacle. We judge any kind of obstacle. Ce qu'on appelle obstacle dans la vie d'un homme. All that is called obstacle in the life of man. Tout ce qu'on appelle obstacle dans la vie d'un homme. All that is called obstacle in the life of a man. Nous brisons tout. We break everything. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. S'il y a quelqu'un, if there is someone, qui a juré, who has sworn, arrêtez là, arrêtez là.
S'il y a quelqu'un qui a juré, if someone was sworn, avec ou sans imprécation, with word or without words, le temps qu'il vit, saying that as long as he lives, je ne peux pas progresser. I cannot move forward. C'est un commun accord. C'est un commun agreement. Nous l'enlevons du chemin des enfants de Dieu. We remove him from the ways of the children of God. Nous l'enlevons. We remove him. Nous l'enlevons. We remove him. Nous frayons le chemin. We open nous frayons way. Le chemin. We open nous frayons le chemin. We open nous way. Frayons le chemin. We open the way. Acclamons Jésus-Christ. Let us come for Jesus Christ. Dix témoignages, dix. 10 testimonies. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Gourène Charlotte Louise, ici du pasteur Boniface Meunier. Effectivement, il s'est passé beaucoup de choses lorsque le pasteur Meunier a dirigé la prière concernant la liste. J'ai vu le Seigneur, Dieu le Père lui-même. Il y avait le Père, le Fils comme d'habitude, qui était là et qui nous disait juste tenu à côté du pasteur. Et il disait, il nous regardait, il observait, il suivait ce que le pasteur Meunier était en train de dire sur les 10 listes et comment il disait augmenter, etc. Ce que si vous avez déjà reçu les exaucements. Et le Père disait. Ah, il regardait, il dit, au point où nous sommes, je suis arrivé avec vous, je ne peux rien vous refuser. Donc il disait, je ne peux rien vous refuser. Et vous êtes exaucé, vous êtes exaucé, vous êtes exaucé. Amen. Et il a observé avant de se retirer, il a dit, je vous exauce. Amen. Ensuite, le pasteur a ordonné dans les prières, j'ai noté pour ne pas oublier. Excusez-moi. Alors, quand il a fini, donc le père s'est retiré, il a dit... Le pasteur insistait sur des choses et j'ai vu que le siège, je ne sais plus, il insistait en tout cas. Et je voyais qu'il y a des gens, des sièges, les esprits méchants avaient déjà squatté autour des maisons. Ils avaient constitué des sièges où ils surveillaient les gens pour continuer de faire du mal. Il y a des bêtes, même des esprits méchants sous forme d'animaux qui étaient collés dans les murs. Et au fur et à mesure que le pasteur priait, ça se décollait. Je voyais que chacun se retirait pour partir et le siège, tous ces sièges-là autour de nos maisons étaient levés. Et donc, on était libres, effectivement. Amen. Et le pasteur a poursuivi le numéro 3. J'ai vu les horizons d'Atiekwa. Tous les horizons où je voyais tout était noir, mais là, par rapport à toutes les prières qu'il était en train de diriger, au fur et à mesure, je voyais que tout était illuminé, tout était éclairé. Il y avait des arbres qui poussaient, il y avait de la verdure en hauteur et tout était devenu beau avec beaucoup de lumière partout autour de notre site. Gloire à Dieu. Et la dernière chose, le Père est revenu encore, je ne sais plus c'était quelle prière, pour terminer, et il disait, je vous rends, au fait, c'était la suite de la liste, là. Quand il a dit, il ne peut rien nous refuser, il a ajouté, je rends votre intégrité et votre dignité. Amen. Gloire à Dieu. Je me nomme la sœur Bonke Mireille, mon faiseur de disciples, c'est pasteur Kossi Evra. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivré de l'eau qui s'appelle Globeni à Boifli. Je me rappelle quand j'étais toute petite, j'étais paralysée. Donc ma maman m'a menée au bord de cette eau. Dans cette eau, ils ont commencé à proclamer des paroles
pour que je puisse marcher. Mais le Seigneur Jésus ne s'est pas arrêté là. Quand il m'a emmené, il ouvre encore mon esprit. Je vois le monsieur qui disait à ma maman que non, ta fille, ce n'est pas l'eau là qui va la sauver. Qu'il faut chercher une église qui va l'envoyer. Mais ma maman n'a pas obéi. Donc les peines de ma maman, les choses de ma maman, tout est rentré dans mon médicament. Jusqu'à ce que ma mère meure, que je retrouve mes pieds pour marcher là-dessus. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient de me délivrer de ce vieillard qui faisait ses médicaments. Oh, je vais définitivement merci à Dieu. Que la gloire et l'honneur le reviennent. Amen. Gloire à Dieu. Je me nomme Adopo Sophie Juliette. J'ai pour faisant pasteur qui prie. L'Éternel dit pourquoi quand il me révèle les choses, je ne le glorifie pas. Ce soir, j'ai 4 témoignages à vous partager. Donne le micro. Ce soir, témoignage de ce soir. Prends le micro. Parmi les 10. Non. Tu as mal commencé. Parmi les 10 sujets, Dieu m'a béni avec un sujet. Et au moment où papa disait, on n'a qu'à se calmer, l'Éternel a dit, je vous ai exaucé, je vous ai exaucé, croyez à mon serviteur. Maintenant, le moment, le premier où on devait faire croisade là, que papa a annoncé croyez, qu'on a... Attends, que veut dire croyez à mon serviteur? Non, serviteur, mais pardon. Son serviteur, papa, mais son serviteur, Néné Boniface. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, non, que je vous ai exaucé de vous dire sujet. Alors, est-ce que c'est moi qui ai dit, je vous ai exaucé? Dieu dit, je vous ai exaucé. On doit croire à ce que Dieu dit. God says, I have granted your prayer. We must believe in what God is saying. Va saluer l'équipe de délivrance. Go and greet the team of deliverance. Tu vas. Gloire à Dieu. Je suis le frère Elo Aniel Nokoko Asamoa. Mon frère dit c'est le pasteur Zidor Kwadio. Je dis merci à Dieu, lui qui m'a délivré de la mort. Quand j'étais là prier tout à l'heure, j'ai fait une vision où il y avait un monsieur, il avait une machette. Il était blessé. Il voulait me tuer. Quand j'ai dit au nom de Jésus, il a disparu. Je veux dire merci à Dieu pour cette victoire. Au nom de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je me nomme Brahmi Félicité. Mon faiseur de disciples, c'est Michel Eneka. Je voulais dire merci à Dieu qui m'a délivré de l'envoûtement. Dans ma jeunesse, quand j'étais mariée, dans mon mariage, premier où je l'ai fait avec les enfants, il m'a laissé. Et je suis partie à Soubré. Je suis partie prendre un gourou. Le gourou, il dit, il m'aime beaucoup de lui faire enfant. J'étais en grossesse de 3 mois. Il m'a dit de l'accompagner dans son village à Zona pour aller connaître son papa. Hier, il allait voir un féticheur pour que le féticheur ma tâche pour que je vais plus chercher garçon. Et ce soir? Ce soir, quand Pasteur Béni a commencé à demander, à ce que les envoûtements, tous ceux qui ont été envoûtés par l'homme, cet envoûtement n'est qu'à bannir. J'ai vu dans mon... Je voyais quelqu'un comme enterré, mais je ne vois pas bien son visage. Et puis c'est comme il mangeait, il fermait ses yeux, un coup il est mort. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que c'est? Et puis, je vais faire témoignage. Dieu m'a fait voir que moi-même, j'ai élevé un chien. C'est à travers le chien, mon mari a pris son côté garçon pour aller faire médicaments. Et c'est dans ça, il m'a envoûté. Et j'ai été malade. Et après, le chien, Dieu a fait sortir. Quand il a fait sortir, il a ventré le chien. Le chien, dans son ventre, c'est l'esprit de mort, le corps de l'homme, avec mon drap que je dormais dessus, que l'homme a fait partir. Je voulais rendre merci à Dieu qui m'a délivré aujourd'hui de cet envoûtement.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Moi, c'est la sœur Guerre Alice. Et mon professeur et disciple, c'est le pasteur Bar Gema Samuel Fuchance. Bon, moi, je vais dire merci à Dieu parce que ce soir qu'on priait par rapport au sujet de Marie de nuit, et j'ai vu Marie de nuit me ressusciter mes bénédictions qu'il a volées. Il m'a ressuscité mon mariage, mes études, les études de ma famille, de mes frères et sœurs. Je veux dire merci à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Envo Massin et mon venu de d'ici, c'est la sœur Konglo Raissa. Ce soir, Dieu m'a fait voir la délivrance de son peuple. Pendant que le pasteur Meunier a demandé qu'on prie pour les 10 sujets de prière, j'ai vu des anges descendre et ces anges sont rentrés dans les rangées et ces anges ont commencé à mettre ok sur chaque feu, sur chaque papier que chaque personne avait dans la main. Et pendant qu'on priait encore pour les 10 sujets, j'ai vu comme tout site l'a changé. Et j'ai vu comme si ici a été construit, comme dans les prières qu'on voit à la télé, avec comme aux États-Unis, comme ça. C'est comme ça que j'ai vu ici changer. Le site a commencé à changer. Le Seigneur me faisait comprendre que ce site sera encore plus construit, plus beau que maintenant. Et pendant qu'on priait, pendant que le pasteur a donc élevé les sujets pour prière de combat, j'ai vu des anges descendre et habiller chaque personne en armure de combat et les démons ont pris la fuite. Quand le pasteur a dit on va prier pour les maris de nuit, Le Seigneur m'a dit que j'ai délivré mon peuple, car moi j'ai combattu pour mon peuple. Je voulais bénir le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Abali Denise. J'ai pour faiseur le disciple, le pasteur Bomba. Je voulais rendre grâce à Dieu qui m'a délivré ce soir des maux de tête chroniques. Pendant qu'on priait, j'ai vu un médecin qui est venu où j'étais assise, qui a ouvert ma tête et qui a enlevé des points de lames dans ma tête. Je voulais rendre grâce à Dieu pour cette délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu as encore mal à la tête? Non, depuis qu'on a fini de prier, je ne ressens plus les maux de tête. Au nom de Jésus-Christ, amen. Acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Gloire à Dieu! Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Il faut dire que... Comment tu t'appelles? Je m'appelle... Le frère Dama Eli Bougaoné. On faisait des disciples. C'est la Seya du sous-centre de Trois Rouges de Yopougon. J'aimerais dire merci à Dieu. Ça fait 4 ans. Je souffre. Chaque jour, j'ai mal à la tête. J'ai mal à l'école. C'est comme si l'esprit me dit on me rejette. Mais chaque jour, je persévère dans la prière. Je priais. Il y avait 2 fiches. Que le pasteur Meunier fait, il dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Et puis il y avait une autre fiche encore, je priais, la foi, c'est la foi en Jésus. Donc chaque jour, cette année, pendant 7 mois jour pour jour, au lieu le 8e mois, frère, chaque matin à 4 heures, il était cède, il dit délivré. Je ne sais pas ce qui m'arrive, pourquoi cette attaque. Je n'ai pas me délivrer. Mais tout à l'heure, Dieu m'a entendu. Chaque jour à 14, je crie à Dieu. Je crie à Dieu.
avant de venir ici. Et tout à l'heure. Tout à l'heure. Je suis guéri authentiquement. Jésus Christ. Jesus Christ. Je suis guéri authentiquement. Quand ça a commencé, quand le pasteur arrivé sur les esprits de famille, j'étais assis là-bas. Ma tête me faisait mal. Donc je suis parti à l'église de délivrance. Le démon s'est manifesté. Et le démon, écoutez ce qu'il dit bien. Le démon me dit que c'est moi qui te fais souffrir. Tu vas à l'école, tes amis se moquent de toi. Pourtant, je souffre. Tu vas à l'école, se moque de moi. Pourtant, je souffre. Il me fait croire que le pouvoir moi, il sort sa rachis, sa graine. Donc, à cause de ça, je ne mangeais pas. Mais Charles, je persévère dans la prière, je gênais. Je dis, Dieu va me guérir un jour. Dieu va me guérir, Dieu va me guérir. Mais tout à l'heure, tout à l'heure, Jésus Christ. Jesus Christ. Tout à l'heure, quand le pasteur a fini de prier, ils ont fini de prier pour moi à l'équipe de délivrance. L'esprit me dit, il y en a la tête des dragons, de la tête. Alléluia. Frère, vous me voyez là, ça fait 4 fois et pas back. 4 fois et pas back, il n'est pas encore eu. À l'école, je parle, c'est pour ça que je parle bien, mais à l'écrit, c'est quand je vide ma tête. Mais ce soir, il est resté à Dieu quoi ici. Je ne me suis pas. Jésus Christ. Jesus Christ. Depuis ce matin, le pasteur, la fille du 22. Il dit de renverser les idoles. Donc, depuis ce matin, j'ai pris l'affiche, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Avant, il me dit, continue de prier, continue de prier, continue de prier. J'ai assis, j'écoute l'enseignement. C'est quoi si les démons s'étaient parlé? Et ça, le pasteur a pris un verset de Marc. Il a dit, oh, Dieu, par la foi, tu as sorti. Donc, quand le pasteur a commencé à prier, il s'est manifesté. Comment va l'équipe de délivrance, et c'est terminé pour lui aujourd'hui. Jésus Christ. Jesus Christ. Je bénis le nom du Seigneur. Lui qui entend les cris de ses enfants, il n'abandonne jamais. Que toute l'honneur et la gloire lui soient rendus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Offrande d'acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus de Nazareth. Avec des cris de joie. A conquéré. Délivré, racheté. Deliver. En fait, nous, j'ai assisté, j'étais là. Quand le pasteur a commencé à prier, l'esprit avait enlevé sa tête, il n'avait pas sa vraie tête. Et c'est tout à l'heure que l'esprit est venu remettre sa tête sur son cou. Jésus Christ. Jesus Christ. Écoutons. Dans la famille, le pasteur Lombe connaît l'histoire. Actuellement, le père même est dépressif. Et lui aussi, il avait commencé la dépression. Plusieurs fois, on a fait son brisement, mais moi-même, j'ai fait. Mais Dieu a sa méthode. Dieu a son jour. C'était une tête, il n'a pas bien expliqué les choses, c'était une tête où il y avait, c'est comme s'il y avait des bosses sur la tête.
que l'ennemi est venu arracher sa tête remplie de bosses. Il est parti avec, il a donné la vraie tête propre de notre frère. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Des prodiges. Prodiges. Des miracles. Miracles. Jésus est puissant. Jesus of Nazareth. Et les maux de tête ont disparu authentiquement. L'heure de la victoire a sonné. Alléluia. L'heure de la victoire a sonné. L'heure de la victoire a sonné. Jésus-Christ. L'heure de la victoire a sonné. Croyez en Jésus. Adorez l'honnêteté en vérité. Il ne va jamais vous laisser. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ. Jesus Christ. Jésus est vivant. Jesus is alive. L'heure de la victoire a sonné. Allez-y. Time, the time of victory has come. Allez-y. Chantez, chantons. Sing. L'heure de la victoire a sonné. Quand le pasteur Meni a dit en train de prier pour les malades, mon ventre a commencé à me faire mal. J'ai couru parler dans les toilettes. J'ai chié du sang. Quand on a prié, j'ai prié dans les toilettes. Au nom de Jésus m'a guéri. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Haricot Yapo Jackson et je suis fait disciple par le pasteur Bac Laver de la zone d'Abobo Belleville. Je veux dire infiniment merci à Dieu, celui qui vient de me guérir d'un mal de genou. Il faut dire que chaque jour quand je marche, c'est comme si mon genou veut sortir, ça ne sort pas. Chaque jour quand je marche, c'est comme si mon genou veut sortir, ça ne sort pas. Chaque jour je dis à ma maman, mais aujourd'hui, lorsque le pasteur Mendy a dit de prier, si quelqu'un était envoûté par une maladie, je priais, j'ai mis mes deux mains sur ma genou et j'ai commencé à intercéder. En fermant mes yeux, j'ai fait une vision où quelqu'un a vêtu de blanc est venu enlever des billes dans mon genou. Je me dis infiniment merci à Dieu, celui qui vient de me délivrer. Et actuellement, je ne sens plus de douleur. Je peux bouger mon pied. Je vais lui dire infiniment merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis la sœur Yeboa, Ama Atawa, et mon faisant disciple, c'est la sœur Anissan Rachel. Amen. Je voulais être infiniment reconnaissante au Seigneur. Quand le pasteur Meignan a dit que les fétiches, a dit que les choses que nous avons adorées, nos parents adorées, frère, il faut dire que dans mon village, c'est des fétiches ou rien. Et je voyais comme ça, un homme atterri au milieu du village. Il a fait le tour. En tout cas, toutes les maisons où il y avait les fétiches ont pris feu. Il a pris feu. Toutes les maisons où il y avait les fétiches ont pris feu. Et il est arrivé au centre. Au centre se trouve la maison du roi. Frère, il faut dire qu'il y a les tabourets. C'est sur ces tabourets, c'est plus de 10 tabourets. Ils tuent, ils égorgent l'homme. Le sang humain, et puis ils prennent pour un bimbé sur les tabourets. Et ces tabourets ont pris feu. La maison a pris feu. Je voulais être infiniment reconnaissante au Seigneur. Amen. Amen. Pose les mains sur ta tête. Lay your hand on your head. Dis, je me plonge dans le sang de Jésus. I plunge myself in the blood of Jesus. Mon esprit, mon âme et mon corps. My spirit, my soul and my body. Je plonge tout ce qui m'appartient. And I plunge all that belongs to me. Je commande. And I command. À tous les esprits qui sont partis. To all the spirits who left. De ne pas revenir. To not come back. De ne suivre aucun frère. To follow no brother. De n'aller dans aucune maison. To go in no house. De ne toucher aucune voiture. To touch no car. Le vélo, les motos, les tricycles. The bike,
the tricycle and the au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Et nous bénissons ceux qui rentrent. And we bless those who are going ils arrivent home. À domicile, sains et saufs. Let them go and reach their house. Sound and safe. Nous protégeons les miracles. We protect the miracles. Toutes les guérisons de ce jour. And all the healings of it today. Et toutes les délivrances. And all the deliverances. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Nous donnons la victoire à son